D'accord, pour Eden. Salut Nathalie. Comment ça va? Tu vas bien toi? Ça n'existait pas ça la fois dernière? Eh non, ça n'existait pas, ouais. On a ouvert ça. Ça permet de passer une journée avec les soigneurs. C'est une excellente idée. On y va, c'est parti, on va changer. Ok. Allez, c'est parti. Go. Hop. Allez, c'est parti, on va aller voir les rhinocéros parce que chez les rhinos, faut être à l'heure. On se dépêche alors. On se dépêche. Bonjour. Bonjour. Nathalie. Sabrina. Enchantée. Ça va. Voilà. On est chez les rhinocéros. Bienvenue chez moi. Et surtout, bienvenue chez les rhinocéros. Rhinocéros indien. Oh là là, je le vois là-bas. Alors là, vous en voyez un. Il s'appelle Bali. Bonjour Bali. Est-ce qu'il y a des règles à suivre, Sabrina? Donc c'est sûr que quand on accueille des gens comme Keeper, comme vous, ce matin, eh ben on leur demande d'être gentils, discrets, parler tout bas et d'être délicats, voilà. D'accord. Salut, mon loulou. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es beau, toi. Et si vous voulez vraiment qu'ils vous adorent... Comme les chevaux, il faut avoir la main bien exactement. Ouverte. Exactement. Oh là là. La taille de la bouche, la taille de la langue. Ah ben c'est un grand herbivore. Oh, oh, oh. Oui c'est bon, je te l'ai donné. Donc toi en tant que soigneuse, en quoi consiste ton quotidien avec les rhinocéros? On a la responsabilité de nos animaux, donc on se doit de les nourrir, de prendre soin, de nettoyer moi ce que j'appelle leur chambre, c'est-à-dire que l'endroit où ils dorment la nuit, et puis aussi nettoyer leur enclos, là où ils vont évoluer toute la journée. À l'extérieur, en fait, tout simplement. Il y a un lien affectif qui se crée entre toi et le rhinocéros? Bah oui, ce sont mes amis. Bah, je vais bien te suivre dans ton quotidien. Si et bah, on va aller s'occuper de leur plaine. D'accord. Au revoir, toi. Allez, zoup. Au boulot, Nathalie. Je te suis. On en a ramassé ce matin. Hein. Au boulot, parti. Mathieu, toi aussi. Allez, c'est parti. À partir de quel âge on peut être soigneur d'un jour? À partir de 8 ans. 8 ans? 8 ans accompagné d'un adulte. D'un adulte, oui. C'est super. Alors, on ramasse Keeper d'un jour. Bah tiens, Nathalie. C'est parti. Tu peux me faire un petit tas de luzerne que on va. Allez, donc, ça, c'est les déchets de la veille. Tu vois, ouais. Là, on a mis un grand tas de luzerne hier soir. Ils ont tout mangé. Et du coup, bah faut nettoyer pour pouvoir remettre de la luzerne. Donc on nettoie les restes de la veille, voilà. On prépare un beau petit tas tout net. C'est ça. Voilà, super. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier? Pourquoi t'as voulu être soigneur ici? Soigneur ici, soigneur tout court. Tout court, soigneur tout court. C'est passionnel en fait. Vous l'avez là ou vous l'avez pas. Et pour moi, le jour où vous l'avez plus, il faut laisser sa place à quelqu'un parce que eux, aujourd'hui, ils sont en parc. Ils ont juste besoin d'avoir des gens... qui ont envie de passer du temps avec eux, qui ont envie de passer, toi, de leur donner beaucoup, parce qu'ils n'ont rien demandé, en fait. Bon, allez, Nat, maintenant, c'est fini. L'enclos est propre. On va aller ouvrir à nos rhinos. Oh là là! Pour leur permettre de sortir et de passer une bonne journée. On va lâcher Bis. OK. Merci beaucoup, Sabrina. Ouais, c'était passionnant de pouvoir approcher comme ça de près des rhinocéros, leur donner des carottes comme on donnerait à des chevaux. Non, c'est exceptionnel, vraiment. Bah, c'est ce que nous permet de faire Keeper, de partager et de sensibiliser. Je vais continuer la visite avec Mathieu. Ouais. Je sais pas où il va m'emmener, mais alors, t'as vu, il y a les rhinocéros. Là-bas, oui, ouais, on a mis la barre haute hein, depuis elle est ce haute, matin. Là. Ça va être compliqué de. Non, ça peut être compliqué, il y a plein d'autres. Aller nourrir les girafes. Ça, celle-là, elle est bien. Allez, tu peux la couper pas forcément à la base, tu peux la couper ici. Là. Allez, on va s'arrêter là. Tu vois, je trouve qu'elles sont gracieuses, les girafes. Oui. Puis t'as vu ses yeux, on a l'impression qu'elles ont du rimel. Grands yeux, etc. Ouais, ouais, complètement, il y a vraiment c'est des grosses boules. Allez, on va aller nourrir les girafes. On fait bien attention, on reste bien derrière les barreaux. Vas-y, vas-y. Et ce que je te conseille, c'est de tenir très fermement ta branche, parce qu'elles vont certainement tirer très fort avec leur langue. D'accord. Voilà.
Ça tient bien, là. Ça tient, ça tient bien. Voilà. La girafe, elle, dans son milieu naturel, elle va manger toute la journée. Toute la journée, elle va manger, elle va manger. Alors, plus on donne de goûter ici au parc, dans un parc zoologique, mieux c'est pour les girafes. Parce que pour le coup, c'est ce qui ça traduit un petit peu leur milieu naturel. C'est pour ça que le soigneur des girafes doit régulièrement apporter du bambou, de l'acacia. Elles sont gourmandes. Elles sont gourmandes. Donc le soigneur, l'apprenti soigneur, donc, il nettoie les enclos, il nourrit les différents animaux. Oui. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Le soigneur va tous les jours créer quelque chose. Pour le bien-être de l'animal. Pour le bien-être des animaux. Pour éviter qu'il s'ennuie, qu'il attende toute la journée. Donc on va créer des jouets. On va pouvoir mettre du goût, des odeurs, des bruits. Ça, c'est de l'enrichissement. Et nous voici chez les lémuriens. On a passé le sas de sécurité. À partir du moment où tu as passé le sas de sécurité, c'est chez eux. Donc là, ils peuvent arriver. Donc ils peuvent arriver à tout moment. T'es prête pour le petit goûter? Ouais, je suis prête. T'es prête? Ouais. Mets bien à plat? Ouais, mets bien à plat. Je vais te donner un petit peu les morceaux de pommes. Tu restes comme ça. Il va venir. Et voilà. Ça va, tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Voilà. Parfait. Oh, purée. Donc là, c'est les makikata. Oh là là, c'est génial. Voilà, donc là, les petits morceaux de pommes, si tu veux, c'est la petite friandise, parce que c'est plutôt sucré, donc ils adorent ça. Oh, il prend la main délicatement. Ah, tu vois, là, c'est vraiment la position du kata qui se réchauffe au soleil, puisqu'il a les bras écartés. Il capte la chaleur, vraiment sur le centre du corps, ce qui permet en fait voilà, de se réchauffer. C'est la seule manière où il se réchauffe, ou alors sinon ils se mettent tous en boule les uns contre les autres. Oh, il y a une autre variété qui arrive là, il est orange. Donc lui c'est le vari qu'il mange. Voilà, t'approches pas trop et qu'il te prenne la main, c'est sympa, tu vois, tu... Tu vois là c'est un peu la cerise sur le gâteau pour l'apprenti soigneur, le keeper qui vient justement vivre en immersion avec vous. Là on est vraiment avec eux là. Voilà, c'est vraiment l'espèce avec laquelle on va pouvoir avoir un contact physique. Puisque ce sont des animaux qui sont très proches de l'homme à l'origine. Mais là, on a même plus envie de partir. Là, je suis retournée en enfance. Voilà. Avec le soleil de Madagascar, voilà, ouais. Il tape. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. D'accord, j'arrive. Madagascar, tous les lémuriens de Madagascar. Bon, les loulous, je sens que vous êtes bien sur moi. Là, il y en a un qui bronze, l'autre qui grignote. Mais il va falloir que je reprenne ma route, les amis. Je peux pas vous embarquer, hein. Allez, où tu vas toi? Où tu vas? Où tu vas? Ah! L'expérience vous tente? Allez-y! Le zoo organise 4 sessions par jour, 7 jours sur 7, toute l'année. Pour ma part, j'en garde un souvenir incroyable.